C'est un fabuleux livre d'images qu'il faut parcourir à pied. En passant le col, on tourne la page avant de poursuivre en lacet. Sur un ancien chemin de croix dont les pierres ont gardé la foi, je crois, de ces gens qui les avaient déposés. Nous déballons sans trop de peine au soleil un dôme des Cévennes parmi les genêts dorés. Un petit bout de France nous a dévoilé son existence. J'ai la nostalgie des paysages que nous avons sillonnés. Des puits d'Auvergne aux vallées sauvages, du Mercantour ou des Pyrénées. Nous abandonnons la voiture pour accentuer l'usure de nos chaussures, capable de nous tirer d'un mauvais pas. Un sac à dos de prévoyance assurera notre subsistance en nous offrant le repas, le toit d'une tente et les duvets d'oie pour digérer les pentes. Dans ce pays de rêve, au milieu de sentiers, où règne des parfums de liberté, savourons notre plaisir, laissons-nous aller, effaçons les soupirs accumulés. C'est l'authenticité des valeurs que nous aimons retrouver. Source et par bonheur pouvoir enfin s'y désaltérer. Et sur le plateau du Vercors, nous ferons transpirer nos corps encore, poussés par le besoin de nous dépenser. Nous suivrons les lueurs du soleil jusqu'aux gravures des merveilles, en traversant sans chercher le sommeil, sous un ciel éclairé de brillantes abeilles. C'est un long mais délicieux voyage que nous avons commencé dans un fabuleux livre d'images. Il ne faudra pas refermer. Sans longer les mélèzes du Jura ou les falaises d'Étretat, tous ces chemins qu'il reste à déguster. Sur l'hexagone aux mille teintes, nous voulons laisser nos empreintes au plus profond des forêts ou dans la poudre des laves éteintes, au cœur de nos havres de paix sans compte.